Bienvenue, monsieur. Seriez-vous intéressé par un sport tout nouveau? Le latte-poulet. C'est moi qui l'ai inventé. Tout ce que vous avez à faire, c'est entrer dans l'arène et latter cette vermine à plumes vers la zone de but. Vous voulez tenter votre chance? Bon, ma vue n'est plus tout à fait aussi bonne qu'avant, mais je vois généralement où il tombe. Vous voulez tenter votre chance? Si vous pouviez déposer vos armes. Et pas de sort non plus. Ce ne serait pas très sportif. Ce ne sont que des poulets, vous savez. Ensuite, nous pourrons commencer. Un avant-gauche décevant, ce qui nous fait 25 points. Laissez des poulets pour les sandwichs de demain. Oula, c'est un massacre de poulets ici. Un tir splendide à 100 points, loin à droite. Eh bien, c'est mieux que rien. Un avant-gauche pour 25 points. Oh, trop fort! Étonnant qu'il reste quelque chose du poulet. Une belle démonstration de violence anti-poulet. Vous remportez une clé d'argent. C'est ma dernière. Puis-je vous proposer une bonne partie de la poulet? Ah, l'avez-vous? Même règle. Vous ne marquerez pas de points si vous ne les envoyez pas dans... Oh, trop fort et... Oula, c'est un... Salade sévère. Cote, 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 cote. Je croyais que les poulets ne volaient pas. C'est parce qu'ils n'ont pas mangé assez de plomb, c'est sûr. Je salue vos talents de botteur de poulet. Voici donc le chapeau de poulet. Je n'en possédais qu'un seul, alors n'espérez pas en remporter d'autres. Puis je me proposais... Je pars, hey, ça continue. Immonde créature.
C'est lui le meilleur. Avez-vous un don? La tragédie du tailleur, ça serait parfait pour notre club d'art dramatique d'après-cours. Ah, ça réchauffe le cœur de voir un héros s'intéresser à l'é... Quelle est cette terre étrange qui, de l'orage, a délivré mon corps? Ce doit être le paradis. Et je dois être mort, car comme dans un rêve, j'ai vu le navire par les vagues déchirées et senti l'étreinte funeste. Mais chut! Qui va là? Mes yeux doivent me jouer des tours, car j'ai cru voir d'étranges choses bouger dans les débris du rivage. Je sais que je suis dans l'au-delà, car en ces terres, les anges pressent le pas. Ce sont les anges, Billy, pas les anges. Yann Amoché, qu'est-ce que vous avez fait? Bonjour à tous et je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans ce Let's Play de Fables The Lost Chapters. Alors, si tout va bien, vous avez dû avoir en début de vidéo un petit clip de récupération de la plupart des clés d'argent. Il m'en manque une seule, c'est celle des bouquins à l'école. Il me manque des bouquins, donc je peux pas la terminer tout de suite. Alors on va fouiller un peu dans les maisons, voir si je peux pas en trouver une. Et là je sais pas pourquoi, mais ça lag, il y a de la brume partout. C'est un peu relou. Et j'ai eu un tatouage Lionhead, qui est le nom du studio qui a développé le jeu. Et donc, nous allons essayer de trouver ce livre qui nous manque. Sinon, j'ai toutes les clés. Il me manque simplement à ouvrir une dernière porte démoniaque. Vous remarquez aussi que j'ai troqué mon armure contre une robe de très mauvais goût. Je vais aussi éventuellement faire des tatouages absolument hideux. Là, j'ai vraiment plus envie de faire d'efforts. J'ai vraiment plus envie de faire d'efforts au niveau du style du personnage, j'ai juste envie que ça parte en couille parce que le jeu est bientôt fini. Donc nous avons des gantelets de plate. Problème, c'est qu'ils sont assez chers et que j'ai pas trop de quoi faire le tricks du commerce qui consiste à vendre en boucle, comme je vous l'avais démontré. On va regarder. Ouais, non, j'ai plus rien et j'ai plus de fric, donc je peux plus recommencer cette astuce. Donc il va falloir que d'une manière ou d'une autre je trouve des sous pour acheter une armure de plate. Ou alors que je la trouve naturellement à l'air libre. Je sais pas si ça se dit ça, mais... Bref, ce que je fais ici maintenant, N. Smeter a révélé la pourriture qui rongeait ce pays. Bon bah, ironiquement, et maintenant la pourriture ronge ses os. Ce que je fais maintenant, c'est un peu d'exploration pour le fun. Sir Peter Molyneux, le développeur, le PDG de Lionhead's Studio, je crois. Donc Sir Peter Molyneux, dompteur de lions et alchimiste, il a désormais trouvé sa place parmi les étoiles. Je sais pas si Peter Molyneux est mort, je crois pas. Tatouage de dos, Lionhead. Pas mal. Elle Copley, la dame de Sterling, a péri de surproduction. N'importe quoi. Donc là, on est parti pour s'amuser un peu, visiter, se balader avec notre nouvelle tête de poulet absolument immonde. C'est une faute de goût terrible. Je me suis aussi arrangé pour que tout le monde me déteste. Et vous voyez que les gardes ont vite fait de m'oublier. C'est parce que j'ai fait passer quelques jours rapidement grâce à un lit, histoire d'être... c'était pour aller voir le prof, en fait. Vu que l'école n'est ouverte que la journée, il fallait que je zappe la nuit. Autre chose, j'ai été divorcé de Lady Grey parce que je me suis pas excusé pour les diverses agressions que j'ai commises à son encontre. Et très franchement, je m'en tape. Et maintenant que nous sommes divorcés, je vais peut-être faire la quête qui consiste à se débarrasser d'elle. Ou je vais tout simplement me débarrasser d'elle. Désolé, mais vous êtes sur une propriété privée. Oh, plus pour longtemps. Il vous est interdit d'être ici. Oh, 2 secondes, ça va. Ta porte, elle était ouverte quand je suis rentré. T'as voulu la fermer. Voilà. Oh, bah tiens, des sous. Pour en récupérer un peu, ça nous fera pas de mal. J'ai payé quelques amendes aussi par flemme, tout simplement,
Ah, ils ont déjà réhabité les maisons. Il faudra que je refasse un massacre pour récupérer la possibilité de les acheter. Donc ils ont vite fait repeupler ici. Vous voyez, ils ont quand même une vitesse de reproduction très élevée. On va quand même essayer de voler quelques livres, mais pas trop longtemps, parce que j'aimerais bien avancer un peu. On va aller faire la nécropole gentiment. Puis en plus, je m'en fous de cette clé d'argent de mes deux. Non, je m'en fous pas, parce qu'elle permet de récupérer le dernier objet du coffre à 30 clés. Pardon. En tout cas, j'en ai 29 maintenant, enfin 28. J'en aurai 29 dans peu de temps, donc on va se diriger vers la nécropole et poursuivre notre aventure loin de tout ce lag. Ouais, parce que bon, le lag, je crois que c'est parce que nous sommes en ville, qu'il y a beaucoup de PNJ et qu'il y a un peu de brume en plus. C'est dommage parce que quand j'enregistre pas, le jeu il est d'une fluidité, ça me flatte l'œil. Et quand j'enregistre, bah, c'est beaucoup moins bien d'un coup. Donc c'est vrai que c'est un peu tard maintenant que le let's play est bientôt fini, que je cherche à améliorer ça. Parce que c'est vrai que normalement quand je jouais, je voyais pas trop le jeu sans enregistrement, vu que normalement, dès que je me mettais à jouer, j'enregistrais. Donc bref. Oh, salut. Donc vous avez pu voir que j'avais récupéré Sombre Présage. Je ne crois pas pouvoir plus vous en faire la démonstration. Oh. Oh. Donc ce que nous avons ici, ce sont visiblement des espèces de trolls. Enfin des espèces de golems de glace. Aucune importance. Et visiblement il y a aussi des balverines qui se baladent. En tout cas, ils sont sacrément résistants. Je vais peut-être opter pour Solus à nouveau. Parce que bon, c'est pas que Sombre Présage fait que 198 et Solus en fait 314, mais bon, presque. Oh zut. Hop. Allez, debout. Ah, oh, des balverines blanches, de mieux en mieux. Bon bah, elle est partie. Oh zut. Oh damned. Ça devient compliqué là. J'ai une idée. On va faire un truc pour changer. Alors plutôt que de reprendre Solus, on va prendre ça. L'épée des âges. On va prendre ça. Ça. Et ça. Ouais, ça a pas l'air d'avoir fait beaucoup d'effet. Je crois que je me suis gouré de sort. Bon, c'est pas grave. C'est fun quand même. En tout cas, le ralentissement marche plutôt bien. C'est plaisant. Juste qu'ils mettent vraiment beaucoup plus de temps à crever du coup. Hop là, on va désactiver le bouclier. Parce qu'avec le ralentissement, le bouclier ne sera a priori plus nécessaire. Et je vais peut-être opter pour un set d'armure de volonté. Tenue noire de la volonté. Et on va garder notre chapeau de poulet. Parce que bon, faut pas déconner non plus. Hein. Oh, c'est pas par là. Allez, en avant. Un peu de sérieux, que diable. Une longue quête nous attend. Enfin, longue. C'est vite dit, mais... Oh, j'avais déjà visité ici, il me semble. Ah oui. Ça respawn comme ça, de nulle part. Bah, allez vous faire mettre, hein. Moi j'ai autre chose à foutre. Non, mais ça va 5 minutes, quoi. Mais... Alors, j'ai repris l'épée des âges, simplement parce que il y a l'amélioration mana dessus. Et que j'avais envie de jouer un peu à la mana. Alors, je crois que de ce fait, le bon sort pour que Canevan m'avait donné, c'était pas celui-là. Mais c'est pas très important. Le seul problème, c'est que maintenant, ils mettent un peu 3 heures à se relever. Hop. Non. Ouais. C'est quand même vachement moins palpitant, hein. Et moins dangereux aussi. Voilà. C'est pas mal d'utiliser un peu de magie. Ouais.
J'aime pas trop ce gameplay, hein. Mais bon, c'est pour changer un peu, parce que bon, on était passé à l'arc, puis à l'épée. Et l'épée, on en a fait un peu le tour, alors on va essayer la magie qui est un peu plus variée. Mais, seul petit problème, c'est que mes sorts sont pas très évolués du coup. Mais ça va venir. Salut. Ah oui, Foret dit de vous laisser passer. Bon, tu ferais bien de l'accompagner. Bien tenté, Mungo. C'est ton tour, et tu le sais bien. Ah, oh, crotte. Bon, allez, suivez-moi. Tu viens de signer la reine morte de ton pote, quand même. C'est pas très gentil. Enfin, moi, je sais pas, moi, j'y réfléchirai à deux fois avant d'envoyer mes potes comme ça, aller se faire tuer. En plus, j'ai une notoriété à entretenir, bon, moi. Je vais pas plus loin. Ah bah. Cet endroit n'est pas sûr, vous savez. Sans deck. La ville grouille de fantômes. On dit que ces pauvres diables ne savent même pas qu'ils sont morts. De toute façon, c'est dommage. Faites quand même attention à vous en cherchant ces glyphes, c'est ça, hein? T'occupes. Vous n'êtes pas le premier à venir tenter de dénicher des cailloux sculptés, vous savez. Ah. Mais les autres n'ont pas été déçus du voyage. Maintenant, ils pourrissent au soleil. Uh-huh. Allez, bonne journée quand même. C'est ça. Eh ben, s'ils ont oublié qu'ils sont morts, on va se proposer pour leur rappeler. Oh. Salut, chérie. Ça dirait de venir dans ma chambre et tu vois ce que je veux dire. Alors, vous voyez tous ces endroits à creuser. Nous sommes à la recherche de glyphes. Donc c'est parti. On va lire les tombes aussi au passage. Potion de santé. Kernan s'est endormi. A oublié de se réveiller. Ah oh bah ça c'est badaud. C'est ballot ça. Pom pom pom. Potion de volonté. J'étais à la poursuite du bonheur et j'ai fini 6 pieds sous terre. Bah, je sais pas s'il faut en déduire que le bonheur se trouve 6 pieds sous terre. Tablette de Kalran. La tablette contenant le glyphe de requête s'effrite dans vos mains. Vous avez tout de même le temps d'apprendre l'expression de Kalran. Parfait. George W, il est allé jusqu'au bout. Oh, mais c'est quoi ça? Bon, bah, poursuivons. Oh zut! Oh. Allez, relève-toi, gros cul! Voilà! Easy, easy! Fanche, repose ici. C'est quoi ce nom de merde? Et nous avons 500 pièces d'or. Il avait peut-être un nom de merde, mais au moins il avait du fric, hein. Paix tombale, fossoyeur extraordinaire. Oh, oh. Oh là là. Oh là là. Oh, c'était drôle. Je suis sûr que ça s'appelait Pierre, non? Eh bah, il était riche lui aussi, hein. Comme quoi, une vie de labeur, ça vous permet d'être enterré avec 500 pièces d'or, hein. C'est trop bien, hein. Potion PX d'adresse. Bon, je prends quand même, hein. Je la vendrai. Eh, hey, je peux faire ça, je peux vendre des objets, je suis trop con. Je dis que j'ai plus d'argent, mais j'ai d'autres objets à vendre. Des potions, des trucs comme ça. Qui valent cher en plus. Raté. Hey. Non. Non. J'essaye de passer derrière toi si tu permets. J'avais dit que je jouais à la magie et me voilà encore avec mon épée. Creuve. Ah, ça fait du 800 quand même, hein. C'est pas trop mal, hein. Oh là, mais relève-toi. Voilà. Oh. R. Stevens. Il a construit cette ville et a fini dans ce trou. Magnifique. Oh non, des balverines. Et putain, c'est une manie de se faire enterrer avec du fric ici ou quoi? Ah bah, la balverine, tu vas attendre 2 secondes. Arrêtez de parler, vous, là, les spectres. Encore? S. Rutland, la mort était à l'heure. Elle est toujours à l'heure. Comme les magiciens. Mais je fais ce que je veux, foutez-moi la paix. Si je veux fouiller à gauche, je vais fouiller à gauche. Si je veux fouiller à droite, je fouillerai à droite. Vous n'avez pas d'ordre à me donner, vous êtes morts. Les morts, en général, ils sont pas de bons conseils, parce qu'ils sont morts. Moi je suis vivant. C'est-à-dire que ça marche. Plaque de Géroen. Ouais, même délire.
Oh shit, oh shit. Oh, va falloir improviser. Burn, motherfucker, burn. Hey. Hey. The fuck is that, dude? Et vous comptez rester en parade comme ça longtemps? Zut. En fait, je suis en train de me faire dérouiller parce que... Oh zut! Il m'a presque fait mal. Ah, il est mort. Il va exploser. Il va exploser. Jeff la brute, tué par un lutte. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'est de pire en pire, ces pierres tombales. Hein. C'est de pierre en pierre. Pardon. Roche de Necrilia. Ah, oh, mais zut, mais ça suffit, oui. Bon, attendez deux secondes. Laisse-moi m'éloigner. Nope, nope, laisse-moi passer, laisse-moi passer, laisse-moi passer. Hop là. Ça traverse les murs maintenant. Bon. J'aimerais bien que la caméra... ah bah voilà. Ouais bah si, forcément. Ah non. En plus, c'était tellement télégraphié cette attaque. Et celle-là aussi. Je suis trop nul. Non, mais stop. Putain, tu te sens plus pissé, toi. Ah, mais zut. Oh, mais hey, c'est pas du cheat, ça. Et pourquoi j'ai qu'une seule pierre sur quatre? J'en ai ramassé... Oh, 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 oh. C'est quand même... pas mal n'importe quoi, hein. E. Denniston, un sacré grand buveur, trinque maintenant avec son créateur. Ouais bah, moi, j'aimerais bien pouvoir prétendre pareil. Hein. Tablette du tourment. Oh, vous avez fini, oui. Bon, je vais vous ignorer royalement et parler à cette porte je à la place. Je n'ai jamais voulu être une porte démoniaque. Cette attente, ces énigmes, ce n'est pas une vie, ça. Et la vie de héros, tu crois que c'est enviable? Si seulement j'étais un coffre à clés d'argent. J'aime tellement ces petites clés d'argent. Oula, oula, oula. Si brillantes, si argentées. Oui. Je ferais n'importe quoi pour en posséder. Donne-moi les tiennes. Et je te laisse passer. On va pas faire ça tout de suite, mon pote, hein, parce que j'en ai encore besoin de mes clés, hein. Non. Ah. Pas de clé, pas d'entrée. Mais je veux pas entrer, pas tout de suite, plus tard. On aura tout le temps plus tard. Oh, je crois que je vais... Je viens de me faire nuke la gueule. On va... Oh, j'ai plus de mana déjà. Voilà. Oh, plus de mana encore. Oh, ah, c'était pas fait exprès, c'est pas grave. On va lui démonter la race, ou pas. Ah zut, déjà. Est-ce que... Bon bah, suivant. Tombe suivante. C'est fini la grosse colère là. J'ai porte, trappeur émérité, émérite pardon, tué par un hamster enragé. Oh là là, mais oh là là, mais arrêtez, par pitié. Arrêtez de crever comme ça les gens. Relique démoniaque. Oh shit. Oh shit! Un petit instant, je vous prie. Laissez-moi
rassembler mes pensées. En fait, je crois que je vais retroquer l'épée des âges pour Solus. Parce que je m'amusais quand même vachement plus à les dérouiller en deux coups. Enfin, c'est pas que ça m'amusait, mais disons que les combats de 20 minutes à ce stade du jeu, ça devient un peu emmerdant. Enfin, ça met 20 minutes tout simplement parce que j'ai pas une stratégie très élaborée quand j'enregistre. Quand je joue sans enregistrer, j'arrive plus ou moins à m'en sortir sans prendre de dégâts. Ah, Sim, ami de faux, pas aussi doué pour rester en vie. Ouais, et ça a l'air, ouais. Et qu'est-ce qu'il a, lui? Encore une rune? Potion de santé. Ouais, bah c'est mieux, au moins. Bon, bah, il me reste... Je sais, oui, je sais. Oh, encore une belle verrine. Jay Glover, mort d'un empoisonnement au plomb. Bah, tant que c'est pas à l'amiante. Meurs, pourriture! C'est pas vrai, ça. Je sais, tu crois que c'est pourquoi que je suis là, connard. Oh, et puis c'est me gaffe, ton Balverine, là. Tu veux bien rester tranquille que je te bute? Voilà. Tais-toi. Hey, encore une rune démoniaque qui invoque 15 000 mobs. Pierre de Dax. Oh bah tiens. Hop là. Non! Oh! Ah zut! Merci. Je sais. T'aimes ça, hein? Luc a semé la vie dans ce monde, le monde lui a mal rendu. A mon avis, lui, c'était un gros queutard, hein. Et qu'est-ce qu'il a? Du sexe à pile? Potion de volonté, c'est de la merde. C'est de la merde, Luc, hein. C'est vraiment nul, hein, c'est minable. Adam Sibic, la vie a fini par le tuer. De mieux en mieux. C'est calme. Potion de santé. Oh! Eh ben j'ai bien fait de faire une petite récupération, sinon j'aurais pas pu l'ouvrir. Casque de combat d'Archon. D'Arcon. Plastron de combat d'Arcon. Gantelet de combat d'Arcon. Jambière. Bot. Eh ben on a le set complet d'Arcon. Et en version maléfique, y'avait pas. Armure de combat d'Arcon. Putain, la classe! Ah, c'est du bon alignement, hein. Wouh, 1109 d'armure, c'est énorme. En plus, ça vaut cher. Je pourrais me la refourguer. Je pourrais en retirer 30 000 pièces. Et ouais, je crois que je vais la revendre. Parce que je compte pas la porter, hein. Ah, mais ça suffit, les Balverines, là. On est assez vus. Et encore un coffre. Espérons que celui-ci ne contienne pas une rune démoniaque qui invoque... Ah, super. Encore un truc à vendre. Oui, je sais, t'es pas contente. Tiens! Burn, baby, burn! En deux coups, hein, c'est quand même vachement pratique, hein. Ça touche tous les mobs. Tais-toi! Ça touche tous les mobs, ça les touche même quand ils sont à terre. Moi, je dis, pas de raison de pas l'utiliser, hein. Amélioration de mana, et ben voilà! Ça, c'est de l'amélioration sympa. Ah, zut. Burn! 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 Et tu meurs? Burn! Quand je frappe le sol avec force comme ça, t'es prié de mourir. Regarde, je suis tellement incroyable que je fais faire sortir du feu de la glace là. Il y a de la neige partout, ça m'empêche pas de faire du feu. Hein. Alors un peu de respect. Hein. T-Timmins, testait un prototype de chapeau anti-Balverine qui n'était pas au point. Visiblement, non. Hein. Bon bah, peut-être qu'il s'est fait enterrer avec son chapeau anti-Balverine. Ah non, encore mieux, des mobs. Mmh mmh
Oh, oh, oh. Wouh. Aïe. Mais... Oh, oh. Aïe. Oh, 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 oh. C'est la fête au village. Ok. Deux choses. Toi, t'arrêtes de me tirer dessus déjà. Merci. Mais ensuite, je vais m'occuper du gros con là-bas. Quand j'aurai fini de creuser. Et de regarder les tombes. Non, ça j'ai déjà lu. S. Van Tilburg. Crieur public tué par une brique. Ouais, ouais. C'est ça, hein. Quand on a une voix qui porte un peu trop, on se prend des briques. Et d'autres objets contondants. Oh non! Ok. Lui, on va recommencer la même histoire. J'ai pas envie de me casser les couilles. Bon, merci. Eh ben, je suis un peu con, moi. Légèrement. Pas trop, hein, faut pas abuser. Hein. Ah, eh, eh, c'est... ah d'accord, c'est la tête chercheuse, en fait. D'accord, ça fait des angles morts, aussi. Ça fait des angles droits, pardon. Ça te fait rire, gros con? Ben moi, je vais te montrer ce qui me fait rire. C'est mon invulnérabilité qui me fait rire. Ça me fait beaucoup rigoler. T'as pas idée. Non, mais tu peux essayer, hein. Vas-y, vas-y. Vas-y, fais de ton mieux. J'ai des potions, moi. Mais vas-y, tu peux frapper le sol. Je m'en fous. Regarde, regarde. Regarde, regarde comme tu manges tes dents. Oh, oh, t'aimes pas, hein. Regarde, tu rétrécis. Tu rétrécis. Mais regarde, tes attaques, elles me font rien. Avec ou sans bouclier, je crains rien. Mais t'es tellement nul, regarde-toi, regarde-toi. T'as aucune volonté, t'as... Tu représentes un danger, pardon, négligeable. Oh, une potion. Tatouage. Tatouage. Ah, il y a des petits objets comme ça sur le sol, des fois. Alors, l'aspirateur, je l'éteins tout de suite. Merci. Et on va faire spawn d'autres mobs parce que c'est fun comme ça. Dominique, bastonné à mort. C'est pas drôle ça. Mais c'est pas triste non plus, hein. Oh merde. Bon, ça y est. Toute la famille est réunie encore. Venez. Venez, mes enfants. Venez. Venez goûter. Venez goûter le feu. C'est mal, hein. Ça sert à rien de parer. Quand tu l'auras compris, tu te laisseras mourir. I love it. L'Albion est magnifique. Ouais, admettons. Allons-y. Tablette de Yeron. Enfin. Mais enfin. Et d'ailleurs, je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'il me manque quelques glyphes, là. T-Fang, maître sorcier, mort au cabinet. Mais comment? Tablette de Morik. Oh boy. Je le sens assez mal quand même. Elle n'empêche, ça tient chaud ce super chapeau, hein. Je suis bien content de l'avoir gagné. Hein. Oh. 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 Vous voulez goûter au feu, c'est ça? Ah d'accord. En fait, ils m'ont ruiné mon bouclier, d'accord. Non, non, mais c'est un concept intéressant. Je veux dire... Moi, il m'arrive des fois comme ça de... Ah non, en fait, non.
Ah d'accord. Bon, je crois que... On va faire un petit quelque chose. Déjà ça. En premier lieu. Comme ça, ça me laissera le temps de les violer, eux. Allez. Quand tu seras disponible pour mourir, merci de me prévenir. Oh, regardez. Ah, j'étais trop distrait par la boule, j'ai oublié que ça faisait un petit moment que... J'ai plus de mana, c'est embêtant ça. Ah bah, je suis bête. Oh, je suis un peu bête moi encore. Bon alors, tu meurs ou quoi? Merci. C'est quand même vachement pratique l'arc, hein. Y a pas à chier. Hein. Et à moi la dernière rune. Tablette d'Avisto. Héros, c'est moi, Fou. Félicitations pour les glyphes. Merci. C'est tout ce que t'avais à me dire? Il est sympa, hein, il est pas comme le maître de la guilde, hein. Lui il dit juste quelques mots, les bons mots en plus, les mots corrects, les mots qu'on a envie d'entendre, et après il ferme sa gueule. C'est je sais pas. Maintenant, vous devriez vous recevez une nouvelle quête. Mais regardez, c'est exactement ce que je disais, le maître de la guilde il passe son temps à interrompre les autres, à parler au-dessus des autres et à faire chier pour des choses qu'on sait déjà. C'est tout le temps comme ça. Putain, mais en fait, j'étais pas sympa avec Faux, mais j'avais complètement tort, c'est le plus sympa des deux, le maître de la guilde, mais voilà, quoi. Putain, mais j'ai jamais vu ça, mais quel malpoli, hein. Bon, on va faire un petit tour à Snowspire, maybe, pour en finir avec cette quête, pour une fois, enfin, finalement, pour conclure cette vidéo. Parce que bon, là, on est à 31 minutes de vidéo, sans compter les quelques minutes précédentes. Enfin, toute la récupération, tout ça. Je sais pas combien de temps ça va donner au final, mais ça fera un bon gros épisode, je pense. Donc voilà, on va finir ça. Et on va finir sur une note, ma foi, drôlesque. Vous avez trouvé les glyphes. Bien. Il est temps de rentrer pour tirer l'oracle de son profond sommeil. Soit. Oh, grand oracle, accorde-nous la connaissance. Dis-nous quel mal grandit sur ces terres. Y, M, C, A. La prophétie s'accomplit. Voici l'homme de la guilde. Vous suivez les traces de celui qui portait le masque avant vous. Jack of Blades a réveillé le pouvoir dormant des invocateurs. Il a généré sa nouvelle forme derrière la porte de bronze avec votre sang. Mon sang ? Mais son masque des armes vous permettra d'alimenter le sanctuaire d'Archon et d'ouvrir la porte. Allez maintenant, allez affronter votre destin. Jack a encore trompé la mort. Oh bordel. Nous n'avons jamais rencontré quelqu'un comme lui. Et moi alors, je ne vis... Je ne vous envie pas. La porte de bronze était un symbole de malheur ici. Était ? Allez voir Eglantine au sanctuaire. Oh non, tu déconnes. Je sais peut-être comment fonctionne le masque des armes. Oh, bordel. Je dois rentrer à la guilde. Je vous souhaite bonne chance. C'est ça, allez, ciao. Oh, mais c'est pas vrai. Et c'est quoi cet oracle à la con? Non, mais... Bon, quand j'aurai le temps d'en placer une. Pour interagir avec l'oracle, utilisez l'une des quatre expressions des glyphes au centre du podium. Vous recevez une nouvelle quête. Oui, je sais, oui. Êtes-vous là? Nous avons entendu l'oracle. Retrouvez-moi au sanctuaire d'Archon, dans les terres désolées. Et d'ailleurs... Pensez plus sur les inscriptions. D'ailleurs, c'était Archon et pas Archon ou Archon.
Et je trouve que Archon c'est absolument hideux, donc je vais continuer à dire Archon quoi qu'il advienne. Salut. Vous êtes au courant ? L'oracle est réveillé. Ce n'était pas une légende. Ah, bien sûr que non. Ah, si je connaissais les expressions pour le questionner. Mais vous n'êtes pas celui qui a trouvé les glyphes ? Ben si. Qu'attendez-vous ? Utilisez les expressions pour l'interroger. Mais j'ai pas envie. Pourquoi ? Bah, parce que... Papa... Je vais vous montrer, ça sera plus simple. On va aller dans statut de héros. Non, on va aller dans compétences, expression. Et c'est dans ce... Non, c'est... alignement, peut-être, oui. Pourquoi j'ai pas envie de parler à cet oracle de mes deux, hein? Pourquoi? Non, mais... Je vais vous montrer, ça sera plus simple. Bah, parce que pour s'adresser à l'oracle, il faut faire... Why? Vous peut-être entendre l'histoire de... Yem. Le maître de la guilde. Il apparaît peut-être comme une figure calme et austère, plutôt que sous les traits d'un aventurier. Mais ce ne fut pas toujours le cas. Ouais. Avant, il faisait quoi? Il faisait... représentant téléphonique? Dans sa jeunesse, lorsqu'il s'appelait Weaver... Weaver? Lui et Maz faisaient partie d'un groupe de héros qui se rebellèrent contre la guilde et sa nouvelle résolution de ne proposer que des quêtes vertueuses. Vertueuses? Comment ça, vertueuses? Beaucoup de sang coula dans cette courte révolte pour le libre arbitre. Les rangs des héros, déjà réduits dans un monde à la volonté faiblissante, n'avait jamais été aussi clairsemé. Et pourquoi tu me parles de ça déjà? C'est Faux qui proposa Weaver comme nouveau maître de la guilde, percevant l'homme pondéré et impartial qu'il deviendrait. Non mais tu te fous de ma gueule là? Un homme qui laisserait la destinée morale des acolytes entre leurs propres mains. Ah ouais, c'est pas du chaperonnage qui fait lui à me... tout le temps me parler, à me spammer avec ses conseils stupides et complètement obsolètes. Bon. Et M? Le signe de Morik. Je vais vous révéler les légendes de ce monde. Oh mais non. Je vais vous parler de portes démoniaques. Oh, en fait, je vais faire une chose. C'est que je vais zapper tout ça. Ça sera beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long. Donc, voilà. Hop. Ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est un petit clin d'œil des développeurs. Quand les quatre signes, les quatre sigles, si vous l'aviez pas encore compris, ça fait Y... M C A Y M C A. Les village people. Donc les oracles sont visiblement gays. Et la dernière chose, enfin la dernière fois que j'ai vu des effigies de pierre parler, c'était une porte démoniaque. C'était des portes démoniaques. Et j'ai rencontré une porte démoniaque qui était, comment dire, très ambivalente sexuellement parlant. Très ambivalente, pardon. Donc, trêve de mauvaises blagues. Hop, on va sauvegarder. Et je vais vous laisser ici. Parce que bon, voilà, ça fait un petit moment quand même. Hein. Donc, merci d'avoir regardé, portez-vous bien. Je vous retrouverai la prochaine fois dans ce Let's Play de Fable The Lost Chapters. Bye!